On est quand même 102 détenus sur la maison d'arrêt de La Roche actuellement, sans compter les bracelets électroniques qui sont au nombre de 35 au jour d'aujourd'hui. Ça fait quand même plus près de 140 écrous sur La Roche-sur-Yon qui contient 37 places théoriques. Donc c'est pas possible ni pour les détenus, ni pour nous, pour nos conditions de travail. Donc on demande un nouvel établissement qui compterait au moins... Enfin, ce qui est demandé, c'est un établissement de 300 à 400 places pour essayer déjà de regrouper les deux maisons d'arrêt et ne plus avoir de matelas au sol. Aujourd'hui, l'État demande au maire de se positionner pour donner un terrain, du foncier, etc. etc. On a trouvé que le maire ne donnait pas assez de renseignements, il n'était pas assez communicatif. Donc on a voulu faire un mouvement ce jour, de manière à ce que le maire vienne ici s'expliquer, chose qui a été faite ce matin. Ils ont bien déposé un dossier de candidature pour la construction d'un nouvel établissement sur la couronne lyonnaise.